C'est surtout l'envie de jouer le ballon qui m'a fait rejoindre le CC Foot. Je pensais jamais plus rejouer au foot jusqu'à ce qu'il m'annonce que c'était possible et qu'il y avait un jeu adapté aux non-voyants. C'est un peu l'histoire de six copains non-voyants de naissance où après un accident, ils ont toujours voulu jouer au foot. Aujourd'hui, toutes les semaines, ils sont sur le terrain, ils s'entraînent, ils ont créé un club de CC Foot ou de foot pour non-voyants. Démonstration. Le ballon contient des grelots, donc à chaque fois qu'il est en mouvement, il fait du bruit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on évolue sur un terrain avec des barrières latérales qui évitent au ballon de sortir, donc de hacher le jeu. Tout est basé sur l'auditif. On porte tous le bandeau, on doit tous se signaler pour une sécurité générale. La vraie difficulté ici, évidemment, c'est de s'orienter. Pour ça, des guides sont disposés au bord du terrain, sur les lignes de touche et surtout derrière les buts. C'est eux qui orientent les joueurs. Je les situe à l'endroit où je me situe moi derrière la cage. C'est-à-dire, je me trouve vers le poteau extérieur, poteau de droite, dans l'axe du but. Poteau gauche. Poteau droit. Au centre de la cage, allez, déclenche. L'histoire pourrait rester confidentielle, mais depuis 4 ans, l'équipe de Saint-Priest a fait du chemin. Cette année, elle a même fini 3e des championnats de France, au milieu de villes comme Bordeaux, Toulouse ou Marseille. Bref, un exploit. Alors forcément, aujourd'hui, les Saint-Priest voient un peu plus loin et rêvent de populariser leur sport. On est une nation qui a encore beaucoup de retard parce que, vous prenez le Brésil ou l'Espagne par exemple, juste pour prendre l'Espagne, il y a 26 clubs. Nous, on est 6. Donc voilà, ça souffre de démocratisation, de communication, ce sport. Et pour démocratiser le CC Foot, le club de Saint-Priest organise d'ailleurs des rencontres entre voyants et non-voyants, histoire de montrer que même les yeux bandés, ça reste du foot. Au centre de la cage, déclenche.